ce qui a poussé le collectif composé de toutes les couches de la population et de religieux à manifester sa colère à Guédiawaye le 6 décembre dernier. Les trois surpriorités des populations de Guédiawaye à résoudre immédiatement sont pour le collectif. Première surpriorité, la chèreté de l'électricité. Deuxième surpriorité, la chèreté de l'électricité. Troisième surpriorité, la chèreté de l'électricité. Des préoccupations qui ont trouvé une oreille attentive auprès des représentants du peuple qui ont engagé la concertation. Des mesures urgentes sont annoncées. Nous avons déjà pris contact avec la Sénélec pour favoriser une rencontre entre les populations et la Sénélec, de sorte qu'une solution puisse être trouvée sur le problème de la facturation, sur les délais, sur la reconstruction des factures sur lesquelles il y a eu un certain nombre d'erreurs et sur le fait que le gouvernement a déjà consenti un sacrifice de 47 milliards pour alléger les frais des populations. Mais malgré tout, ceux qui doivent bénéficier de cette situation, c'est les petits salaires, c'est-à-dire les gens qui ont un taux de consommation inférieur à 30 000 francs. Cela devrait avoir des factures qui seraient des factures qui baisseraient. C'est une question qui va faire l'objet d'un examen approfondi. Pour qu'il en soit ainsi, il paraît important que les populations aient des représentants qui aient rencontré la commission de régulation du secteur de l'énergie qui va prendre en charge ce dossier et poser les problèmes et proposer des solutions. Celles qui ne seront pas réglées le seront à l'occasion du débat que nous aurons à l'Assemblée nationale sur les trois questions, n'est-ce pas, orales et d'actualité portant sur cette thématique essentiellement mercredi prochain.